Oh, c'est pas possible une chose pareille. Ta gueule suit l'exemple de Diego, il passe son temps à faire la sieste. Il paraît que les jeunes filles espagnoles sont particulièrement passionnées. Peut-être que son séjour en Espagne l'a beaucoup fatigué et qu'il lui faudra du temps pour récupérer. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Et une jeune fille particulièrement passionnée, qu'est-ce que c'est? Eh ben, une jeune fille... C'est quelqu'un qui est enflammé et qui veut que son... je lui expliquerai quand j'aurai retrouvé mon peigne. Il faut que je m'en aille. Merci pour tout, Madame Maria. Je dois me dépêcher de rentrer parce que j'ai énormément de travail qui m'attend sur mon bureau, vous savez. Il faut que j'astique ma tondeuse et puis demain, nous allons convoyer de l'or en quantité importante. Et c'est à moi qu'on a confié l'honneur de veiller à ce qu'il n'y ait pas de problème. Oh, de l'or en quantité importante? Oui, enfin, du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Oh. Ah, ces jeunes filles ne sont pas d'ici, sinon je les aurais déjà remarquées. Vaurien. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu as fait ça? Oh, t'as vraiment du toupet. Quand t'étais en Espagne, tu as promis à une jeune fille de l'épouser sans rien nous dire. Moi qui jurais à ta pauvre mère de veiller sur toi, c'est épouvantable. Elle m'a accordé sa confiance et j'en suis pas digne. Oh, qu'est-ce que tu as dit? J'ai promis à une Espagnole de me marier avec elle. Diego! Oh. J'ai l'impression de rêver. Elena? Je voudrais vous présenter mon amie Annabelle. Je lui ai demandé de bien vouloir m'accompagner. Je suis ravie de faire votre connaissance. Et la vôtre aussi, monsieur Alexandro. Je vous remercie. Maintenant, mesdemoiselles, si vous nous expliquez la raison de votre visite. Les parents d'Elena ont été profondément blessés quand Diego est parti. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il quitte l'Espagne sans rien leur dire, pas même au revoir. Surtout après ce qu'ils avaient fait pour lui. Pardon, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Elena, qu'est-ce que ça signifie? Je ne comprends rien. Oh, Diego, est-ce que par malheur, tu ne te souviendrais pas de ce qui s'est passé entre nous? Ah non, je suis désolée. Tu ne dois pas lui en vouloir. Son oubli est pardonnable. À l'époque, il avait des poussées de fièvre tellement fortes qu'il délirait. Ne sois pas triste et n'en veux pas à Diego. Après tout, il n'a pas fait exprès de tomber malade. C'est pas sa faute. Oh, mais je Diego, nous allons éclaircir tout ça. Si mon fils vous a promis de se marier avec vous, c'est très sérieux. Et peu importe dans quelles circonstances il vous a fait cette promesse. Il se déshonorera s'il ne la tient pas. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais connaître tous les détails. Diego, est-ce qu'au moins vous vous souvenez d'avoir été malade et d'avoir eu une très forte fièvre quand vous étiez en Espagne? Oh oui, bien sûr. Je suis tombée malade quelques jours avant mon départ. C'est ça. Et vous alliez si mal que les parents d'Elena se sont un peu affolés. Ils ont demandé à leur fille de rester à votre chevet. Et petit à petit, des liens se sont tissés entre elle et vous. Elle vous a soigné avec toute sa tendresse. Et ça a été très efficace parce qu'un jour... Oh, Elena. Quand je serai complètement rétablie, tu accepteras de venir avec moi en Amérique? Pardon? Oui, pour te marier avec moi. Non, 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 et non, je suis incapable d'avoir dit ça. Tu mens, ce n'est pas possible. Tu oses me traiter de menteuse? Oh. Où êtes-vous? Ah, justement, je voulais vous voir. Vous avez les invités? Je viens de faire un gâteau. C'est une recette de Maria et j'ai appris à le faire avec elle. Vous voulez le goûter? Ce que je voudrais, c'est savoir qui vous êtes pour nous interrompre. Eh ben, je vais vous le dire. Cette jeune fille, c'est Mademoiselle Lolita. Elle connaît Diego depuis sa petite enfance et ils sont très très amis. Maria, s'il te plaît. Oh, c'est affreux. Oh, c'est une catastrophe. Alors comme ça, vous avez également une fiancée ici? Oh, mais attendez, vous vous faites des idées, là. Elena! Où vas-tu? Laisse-la partir. J'ai droit à une explication. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Diego a une fiancée qui est venue d'Espagne pour se marier avec lui? Tu as très bien entendu et bien compris. Il faudra lui trouver un cadeau de mariage et me faire faire une très très belle robe. Lolita, quel jeu tu essaies de jouer au juste?
Tu sais pertinemment que Diego de la Vega et toi, vous êtes censés vous marier. Lolita, je te parle. Ça a assez duré. Je ne suis plus capable de jouer. Diego avait l'air troublé, très malheureux. Je regrette beaucoup. Il est trop gentil pour que je continue à le faire douter de lui et du reste. Garde ton calme, c'est inutile de t'énerver, ça ne sert à rien. Pour l'instant, tu en as fait suffisamment. C'est à moi de jouer, et je sais déjà quels sont les arguments qui auront un certain poids sur le seigneur de la Vega. Il est très riche apparemment, et ça m'étonnerait qu'il se fasse tirer l'oreille pour nous donner tout l'argent qu'on voudra, surtout maintenant qu'on connaît l'autre fiancé. Diego, si tu savais comme je suis désolée. C'est Ed. Elena, voici une lettre de José, je suis sûre qu'elle te rendra le sourire. Ma petite Elena, chérie, c'est atroce d'être séparée de toi. Si on me versait de l'huile bouillante dans la gorge, je ne souffrirais pas. Tu permets que je la lise? Je comprends ce que José doit ressentir. Tout ce qui s'est passé l'a rendu terriblement malheureux et ça lui a brisé le cœur d'être loin de toi. Il est si sensible qu'il a mal supporté de voir papa s'enfoncer chaque jour un peu plus dans ses difficultés. C'est horrible qu'il ait dilapidé aussi vite la fortune de notre famille. Sans toutes les dettes que nous sommes tenus de payer, José et toi, vous seriez maintenant... Quand cesseras-tu de me le répéter? Je sais qu'on a besoin d'argent. Si on veut pouvoir vivre ensemble... Je vais peut-être me répéter pour ça aussi, mais j'ai hâte de vous voir mariés. Je te l'assure. Qu'est-ce que tu dirais si on descendait et si on allait boire une bonne tasse de thé? Il vaut mieux que vous soyez prévenus. Certains de vos clients pourront prendre la diligence qui quittera la ville en fin de journée demain. Mais ce ne sera pas une diligence comme les autres. Je vais la prendre avec un de mes hommes pour transporter l'argent de l'armée. Sergent, j'avoue que je ne comprends pas bien votre raisonnement. Comment se fait-il que des transferts de fonds aussi importants se fassent uniquement en diligence? C'est moins dangereux que les autres méthodes, c'est tout. Comme il n'y a pas d'escorte, les voleurs ne peuvent pas savoir qu'on transporte de l'argent. Pourquoi tu t'arrêtes? Oh, pardon, j'ai oublié quelque chose dans la chambre. Va choisir une table, je te rejoins. Entendu. De toute façon, pour nous protéger, nous avons choisi un autre itinéraire. On va bientôt arriver. Sergent. Allez, sergent, s'il vous plaît, réveillez-vous. Quoi, qu'est-ce que c'est? Mon peigne, au secours. Oh, dites-moi, vous avez un magnifique pendentif. Si j'avais une femme, je lui offrirais le même. Oh. C'est tellement drôle. Je ne sais plus quoi faire. Cette histoire avec Elena est très embêtante. Maria me fait la tête, Lolita me fait la tête, et pourtant, je sais bien que même en plein délire, je me suis fiancé avec personne. Et si vraiment je dois me fiancer, ce ne sera pas avec Elena. Messieurs, c'est très curieux. Et comment avez-vous su l'itinéraire qu'allait prendre cette diligence? Ça n'a aucune importance. Et ne nous fais pas perdre notre temps. Allez, l'argent, vite! Oui. Pas question. Tu veux mourir peut-être? Je vous interdis de... Qui c'est celui-là? Dépêchez-vous, il faut le sonner! Oui, sinon! Nana, il est trop loin pour nous rattraper! Pas possible! Son cheval a des ailes ou quoi? Non, j'abandonne.
Changer l'itinéraire de la diligence pour plus de sécurité, c'était une excellente idée. Et c'est étonnant que ce soit le sergent Gonzalez qui l'ait eu. Ouais, mais les voleurs ont quand même attaqué la diligence. Ça doit vouloir dire qu'un soldat les a informés des dernières modifications. Cesse de te creuser la cervelle. Tu sais qu'à cette heure-ci, tu devrais déjà dormir. Tu devrais filer au lit avant que Marianne s'aperçoive que tu es encore debout. Oh, de ce côté-là, je ne risque absolument rien. Figure-toi qu'elle s'est couchée très tôt. Elle a été prise d'une très forte fièvre parce qu'un certain garçon a dit certaines choses à certaines filles. Tu ne vas pas remettre ça sur le tapis. Je te l'ai déjà dit et répété, je ne me suis pas fiancée avec Elena. Diego, peut-être que tu aurais un poids en moins si tu me disais la vérité. Quand on me confie un secret, motus et bouche cousue. Commence déjà par te taire. J'ai bien réfléchi. Et demain, je vais m'arranger pour parler à Elena encore une fois. José ? Comment vas-tu, ma chérie ? Ça t'ennuierait beaucoup de me dire où tu étais hier. Pourquoi ? Toute la ville ne parle que des voleurs qui ont attaqué la diligence. Il paraît que l'un d'entre eux avait une cage à oiseaux à la selle. Et quelqu'un l'a entendu distinctement crier « José ». Tu te rends compte de ce que tu dis ? Je pourrais croire que tu me soupçonnes d'être un voleur. Oh non, pas du tout. Mais enfin... On n'aurait pas cette conversation si je n'étais pas obligé d'extorquer de l'argent à quelqu'un. Mais je n'ai jamais volé de ma vie. Pardonne-moi, tu veux ? Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai l'impression de devenir folle. Chérie, je ne peux plus continuer à vivre séparée de toi. Avant d'être couvert de dettes, mon père avait offert ce pendentif à ma mère. N'en parle pas à ma sœur, elle ne sait pas que c'est moi qui l'ai. Je ne lui dirai rien. Je te l'offre avec tout mon amour, prends-le. Comment allez-vous ? Vous tombez bien. Je comptais aller vous rendre visite aujourd'hui. C'est très gentil à vous d'être venu, ça m'évitera de me déplacer. Est-ce que je peux voir Elena ? Puisque vous ne voulez pas vous marier avec elle, elle voulait repartir pour l'Espagne. La pauvre, j'ai eu du mal à l'en empêcher. Vraiment ? Que voulez-vous ? Ça lui a fait un choc. Et le pire de tout, c'est que quand elle a annoncé à ses parents qu'elle prenait le bateau pour venir vous rejoindre, ils sont tombés tous les deux malades. Oh, je suis désolée. Maintenant, on sait que vous n'avez aucune envie de l'épouser. Mais la situation n'est pas aussi facile que vous pourriez le croire. Elle a l'intention de rentrer chez elle sans vous dire quoi que ce soit. Mais je sens que ce silence la ronge. Alors j'ai décidé d'intervenir et d'aborder carrément le sujet. Mais pas avec vous. Je préfère aller en parler avec votre père. Et de quoi ? Disons qu'en résumé, je crois que vous devriez adoucir sa peine avec une somme d'argent. Tu en fais une tête. D'habitude, quand quelqu'un va se marier, il a l'air beaucoup plus heureux. Lolita, il faut absolument que je te parle. Et de quoi veux-tu me parler? Si tu veux me demander de devenir l'amie d'Elena ou de la conseiller sur votre futur mobilier, tu peux tout de suite économiser ta salive et le demander à une autre. Elena! Je comprends. Elena, une seconde, j'ai quelque chose à te demander. Mais Elena ! Diego, je suis désolée, pardonne-moi. Quelquefois, Diego m'étonne. La dernière fois, c'était pas plus tard qu'hier. Je me demande comment il a pu arriver à la conclusion qu'Elena avait peut-être quelque chose à voir avec les voleurs. C'est pas possible.
Pourquoi est-ce que je me sens aussi mal? Qui est là? Zoro! Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je voudrais vous demander de me rendre un petit service. Bien chère Annabelle, fais tout ton possible pour soutirer très rapidement de l'argent au père de Diego. Ça devient de plus en plus difficile de tout cacher à Elena. On ferait bien de se débarrasser d'elle dès qu'on aura eu ce qu'on voulait. Et alors? Si je vous donne une autre lettre, écrite de la main d'une femme, est-ce que vous pourriez écrire ce que je vais vous dicter en faisant de votre mieux pour imiter l'écriture de cette femme? Ah oui, bien sûr. Bravo, tu deviens de plus en plus rapide. Tu auras double ration. Annabelle. J'aimerais que tu cesses de t'inquiéter au sujet de ce cher Diego. Je te répète que c'est lui qui a suggéré de donner de l'argent pour régler cette affaire. Mais ce n'est pas une raison. Ce soir, tout sera terminé. Bel et bien terminé. Tu n'as aucune crainte à avoir. Je ne sais pas pourquoi je ne supporte pas de voir les gens tristes, et les filles encore moins. Mais qui êtes-vous? Oh. Je ne comprends pas, il n'y a que deux personnes pour transporter tout cet argent. Il paraît que Monsieur Alexandro est quelqu'un de très avare et de très méfiant. Il n'aime pas beaucoup l'armée et lui demande rarement de l'aide. Allons-y! Qu'est-ce qui se passe? Ne me dites pas que vous avez peur d'un épouvantail! Je trouve que nos chemins se croisent trop souvent à mon goût. Et moi, je trouve que vous devriez être plus attentif aux lettres que vous recevez. En attendant, vous avez fait souffrir une jeune fille. Vous méritez une leçon. Leçon de vous? Elena. Elena, je t'en prie, explique-lui toute notre histoire. On avait des problèmes qui étaient insurmontables. C'était la seule façon de trouver de l'argent pour les résoudre. Tu me crois, non? J'ai vraiment été naïve et idiote, mais grâce à toi et à ta sœur, j'ai grandi. Et j'espère que vous resterez longtemps en prison. Le sergent et Zoro. Merci pour tout. Et pardonne-nous de t'avoir impliqué dans toute cette histoire. C'est déjà oublié. Pars tranquille. Quand on est jeune, on a presque tous les droits. Même celui d'oublier tout ce qui nous entoure sous prétexte qu'on est tombé amoureux de quelqu'un qui vous correspond pas. Mais j'ai appris une chose importante. Je ne laisserai plus jamais à quelqu'un le pouvoir de se servir de moi. C'est vrai, c'est toi qui leur avais donné. Ils peuvent pas galoper plus vite? Le bateau d'Elena va quitter le port avant même qu'on y soit arrivé. Tout ira bien.
Sinon, ce sera ta faute. Oh, tu es têtue comme une mule. Je t'avais dit que tu n'avais pas assez de temps pour lui faire un gâteau. Mais j'y tenais absolument. C'est affreux d'être au plein milieu de l'océan et d'avoir faim. Sur un bateau, on mange? Tu vas finir par m'ennuyer avec tes réflexions. J'ai fait ce gâteau. Et je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire. Et si ça ne te plaît pas, eh ben tant pis. Je dois monter à bord. Je suis désolée, je ne sais pas dans combien de temps nous nous reverrons. Oh. Ah. Oh, elle est encore là. Mais je sais quand même une chose. Je vais devenir une femme capable d'aimer un homme aussi bien que toi. Oh. Oh non, Lolita. Diego de la Vega, écoute-moi bien. Oh, mais quand est-ce qu'ils cesseront de se chamailler?